Bienvenue sur cet épisode 3 de notre petit Honda CG La Poste qu'on est en train de transformer en Brad Steel. Je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo où il y a une désynchronisation du son et de l'image. Ça m'apprendra à utiliser deux caméras différentes et visiblement mon ordinateur n'accepte pas ce genre de truc. Moi, je ne suis pas très doué en informatique, un peu plus en mécanique mais pas trop en informatique. Allez, c'est parti pour ce troisième épisode. À vous de regarder. Voilà, j'ai installé les nouveaux tubes de fourche. Comme un auditeur me l'avait fait remarquer, oui, les tubes de fourche sont de la même section. C'est les fourreaux qui sont plus gros que ceux du CG de la Poste. Hein. Ça, c'est des fourreaux, des tubes de fourche et des fourreaux de Honda CBS. Je pensais pouvoir remettre le petit T de fourche de la Honda CBS, mais en fait j'ai 2 mm d'écart en anthrax qui ne correspondait pas, donc du coup j'ai remis le T de fourche supérieur du CG. Il a fallu juste modifier ici avec une grosse rondelle pour qu'on puisse fermé, puisque en fait là le tube est pris et les fixations des tubes de fourche de CBS sont beaucoup plus fins au bout, donc ils se ferment par rapport à ce T de fourche là. Eux sont beaucoup plus petits, voilà, et laissaient juste passer l'écrou pour fermer. Donc il a juste fallu que je mette une plus grosse rondelle pour pas que ça passe à travers. Mais il est tout de même serti par la fixation normale. Alors que cela normalement était juste, on le voit par l'intérieur, voilà, maintenu par le T de fourche. Donc ça c'est réglé. Maintenant je vais y poser, préparer toujours le support pour l'optique qui vient avec des grosses pattes, et normalement, eh ben celui-là il n'est pas cassé, c'est de la chance, qui vient comme ça, mais très ressorti. Donc là je vais y faire des pattes ou un système de fixation pour qu'on puisse le rentrer un maximum. Voilà, puisque normalement ça se retrouve à peu près par là. Et c'est pas très très joli, donc je vais essayer de le faire rentrer un maximum en créant des pattes sur les tubes de fourche ici. Voilà, autrement tout est impeccable. J'en ai profité pour vérifier les roulements qui étaient pas fatigués, mais qui n'avaient plus beaucoup de graisse ou surtout de la pâte qui commençait à sécher. Et là, on retrouve une mobilité impeccable. Voilà, allez, je fais ça devant vous, là, je vais bosser sur ces petites pattes. Et puis on avance, j'ai trouvé un guidon aussi, qui va aller dessus, que je choisis d'une couleur, on va dire, acier alu. On va changer un petit peu, et d'une forme un peu plus vélo, un peu plus plate que le guidon qui avait d'origine, qui montait beaucoup plus haut, rappelez-vous. Voilà, allez, on continue là-dessus, on continue sur l'avant de la moto. C'est parti. Voilà, je vais faire chauffer une petite pièce là, et lui donner à peu près le diamètre du tube de fourche, qui va nous servir à fixer notre optique. J'ai essayé de ne pas me cramer les pattes. Ce qui n'est pas gagné.
Allez, ça chauffe, Marcel. Voilà, ça c'est bien. Ici, peut-être là, recintrer un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Ok. La petite pièce est faite. On la voit, j'espère, du moins, voilà. Je vais maintenant, le plus dur, c'est de faire la deuxième identique. Donc rebelote, chalumeau, nanana, hop, et je vous montre tout à l'heure avec la fixation de la pose de l'optique avec nos nouvelles pattes sur les tubes de fourche. Allez, c'est parti, je continue, petit coup de chalumeau, pareil, à tout de suite. Je mets les trous à la taille. Évidemment, tout ça, ça va repasser à la peinture, hein, et un petit image. Enfin, c'est juste la pose à froid pour voir ce que ça donne. Et si je suis satisfait, après, je reponce tout. Voilà, donc j'ai coupé le fond ici pour pouvoir garder l'inclinaison du phare juste là et que ça ne gêne pas sur la colonne de direction. Je remets. Des petites pattes. Voilà. Hop, l'autre. Regardez ce que ça donne.
Ouais, c'est pas mal. Et voilà, peut-être un petit poil plus haut. Comme ça, on va le faire tenir évidemment. Les pattes de fixation du feu vont être tenues avec des petits caoutchoucs de renfort à l'intérieur. Et là, on obtient quelque chose de plutôt sympa. En tous les cas, à mon goût perso. Donc on voit bien le fond qui a été coupé au niveau pour la colonne de direction. Voilà, pendant que nos petites pattes sont en train de sécher, viennent d'être peindres, poncées, ainsi que le bol nettoyé, on va passer au guidon et surtout à la pose du compteur. Je dois me rester quelques bricoles dans mes boîtes. Je dois avoir encore pas mal de petites choses qui vont pouvoir me servir pour cette machine. On a aussi là les petites fermetures, les pontets qui sont prêts, qui ont été peindus également. Et là, on a un joli petit compteur noir qui est plutôt sympa. Alors, on prendra que le compteur kilométrique puisque sur le moteur de CG, il n'y a pas de compte tour. Mais c'est pas très grave. Voilà, je vais récupérer ça et on va voir comment on le place. Allez, zou, c'est parti, comme d'hab. Ok, voilà, j'ai opté pour inclure mon compteur fixé sur l'optique. Le câble passera à travers et comme ça il viendra se poser avec les pattes juste là. Voilà, quand j'aurai posé les pattes, je vous remontrerai ce que ça donne. Mais avec le guidon ici, on a à peu près un aperçu de ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai fait des creuser tout simplement le bol plastique pour laisser placer le compteur. Allez, je continue, on va essayer de placer ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, voilà ce que ça donne au final. Donc c'est une première pose, un premier jet. Et donc, on a notre optique, notre compteur. L'optique est bien placée face à la route, un petit peu inclinée comme il faut, et rentrée dans la fourche comme je le voulais. Pas de problème pour tourner. Rien ne frotte. Et le câble du compteur passera par en dessous. Je lui ferai peut-être un petit logement, voir s'il s'y met. Et ça sera bon. Je pense que je vais peut-être percer ici trois petits trous pour les diodes ou faire une petite platine, je ne sais pas encore. Voilà pour l'avant de notre ex Honda CG La Poste avec ses fourches de CBS. Bon, moi là-dessus, je vais continuer un petit peu sur le papier. On va attaquer la roue avant avec le nettoyage et puis changer le pneu, mais ça il n'y en a pas pour longtemps. Comme ça on aura quasi fini tout ce qui va aller à l'avant. Je pense, je vais refaire une démonte du guidon, mais je pense que on mettra des clignotants en embout de guidon puisque j'en ai. Alors l'erreur à ne pas faire, enfin d'après moi esthétiquement, on prend le guidon comme ça, on remet les embouts de guidon, les poignées, et puis on se retrouve avec un truc de 14 km de long.
avec un guidon vraiment très très large. Moi, c'est pas trop mon kiff. Après, c'est une histoire de goût, hein. Chacun fait comme il lui plaît. Mais moi, je vais réduire ici l'épaisseur des embouts de guidon. Je vais enlever 2 cm sur le guidon, repercer un trou ici en dessous pour tirer les fils qui viendront se positionner là. Alors souvent on me demande les ampoules LED, ça marche pas sur les petites batteries des vieilles motos. En fait, il faut bien faire attention qu'il y ait quand vous achetez ça, qu'il y ait des petites résistances qui soient mises avec, qui correspond pour faire marcher avec une batterie enfin ancienne génération, je vais dire. Et donc en général les clignots LED acceptent le truc. On vérifiera ça avant de les poser. Et bien voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine fois pour la suite. Et puis comme d'habitude, gaffe sur la route. Allez, salut!